J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Parce que moi je suis en forme. Enfin, je suis en forme. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors attendez, on va baisser le son de la télé là. Hop. Ok. Ok, là on est pas mal. Là on est pas mal. Oh, si vous savez comme. Ma journée a été longue, elle a été longue et torride. Cette journée là depuis hier où on a dosé le jeu, je me suis couché beaucoup trop tard. Je me suis couché beaucoup trop tard, voilà. L'ensemble de ma journée s'est retrouvé à au moins me lever pour manger. Un peu, voilà, terraformer ma ville sur Animal Crossing parce que bon, hein, faut pas perdre le nord, on a quand même du travail en tant que gérant de l'île et dormir. Voilà, j'ai dormi le reste de la journée. Tu m'as cassé les couilles avec tes questions alors que je dormais. Mais elle, s'il y avait Mika sur un MMO, alors il fallait que je te pose des questions. Bon, les gens, Storm, elle s'en fout, tout le monde, les meilleurs, ceux qui sont là, rappelez-vous, vous êtes toujours les meilleurs. C'est vrai que je sais qu'il y a des gens. Il y a des youtubeurs et des streamers et compagnie. Ils donnent des surnoms aux gens qui les suivent. Moi, j'ai jamais fait ce genre de truc ridicule. Parce qu'ici, on n'a pas 5 ans. Hein. Ici, on donne pas des surnoms aux gens. Mais je pense que si un jour je devais vous donner des surnoms, ce serait les meilleurs. Parce que, pas parce que vous êtes les meilleurs, mais parce que vous êtes sur le meilleur stream. Et oui, faut pas perdre le nord. Faut pas. Voilà, hein. Et oh, on rigole pas ici. Salut, Gerbly. Bon, pas tous les meilleurs, vraisemblablement. Oh, on taquine, on taquine. On se retrouve donc dans Persona 5 après avoir fini le premier palace, le premier donjon du jeu, les premières mésaventures qui se sont levées face à nos protagonistes. Hein, et c'est, j'ai, pour le moment, je vous avoue, franchement, le jeu, j'ai vraiment kiffé. Ce que j'ai adoré dans la première partie de l'histoire, c'est que les événements qui poussent les héros à agir, c'est que c'est vraiment des choses qui touchent les héros. Et justement... les héros, ils avaient l'air de vouloir faire ça que parce que ça les concernait. Donc, je me demande maintenant comment vont avancer les choses pour que le jeu nous incite, nous, en tant que protagonistes, à retourner dans les donjons, étant donné que jusqu'à maintenant, les héros, ils avaient quand même l'air de faire ça, surtout parce que ça les arrangeait, eux. Voilà, quand Ryuji et Dazzler, le héros, parlaient avec Morgana, la première fois qu'on a discuté avec lui... On voulait pas trop l'aider à gérer les palaces parce que bon bah ça nous faisait chier en fait, c'était du travail, bon ça nous emmerdait. On l'a fait parce que nous ça nous arrangeait, vu que ça nous aidait à régler les problèmes. Maintenant, est-ce que les héros vont refaire ça par besoin personnel, ils vont faire ça pour aider les autres, ils vont peut-être devenir altruistes, on ne sait pas. Écoutez, on verra, hein. Ça le jeu va nous le dévoiler et j'ai hâte de voir la suite. Et j'espère, vous savez quoi, que le jeu fera toujours en sorte que nos héros vont être impliqués dans les besoins d'aller au palace. Parce que franchement, j'ai trouvé ça super cool, comme vraiment je me sentais pris par l'histoire, je me disais putain ça nous concerne quoi en tant que héros. Et si par la suite c'est juste on va agir pour le besoin d'aider d'autres gens, bah je le ferai parce que je suis le héros, mais je me sentirai pas concerné. Et le fait de se sentir concerné dans un jeu vidéo où tu incarnes le héros et tu vis ton année scolaire, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Salut tout le monde en tout cas, salut à ceux qui arrivent les meilleurs, les meilleurs. Allez, on reprend, qu'on reprend, on profite de notre dimanche, hein. On a travaillé dur, là maintenant c'est repos, on est dimanche, on va faire notre vie. Bonsoir Dazzler, bonsoir. Salut tout le monde. Alors... Il ne reste plus qu'à attendre et observer les situations. Oui, donc on ne sait pas encore les répercussions réelles que ça aura. Enfin, de ce qu'on sait, le prof voilà, a déjà demandé sa mise à pied. Mais bon, on veut voir vraiment la retombée de tout ça. Avant, ça arrête de poser des questions, on oublie pas le jeu. Non, mais... oh, je fais que discuter pour vous dire où on en est dans mon avis. Voilà. Oh là là, mais vous êtes jamais content quand on donne un avis construit. Et ben vous savez quoi, le jeu il est sympa parce que dedans on peut taper des démons dans des donjons. Voilà, et parce qu'il y a des fesses. Voilà, ça vous convient? On peut niquer des meufs? Ok, sur BGE. BGE, qu'est-ce qu'il me dit le client? Donc toi le jeune homme qui loge ici depuis un moment. Je passe souvent travailler ici. Je suis critique de cinéma. Ah donc il est critique de cinéma. Moi j'avais misé sur journaliste. Je chronique des œuvres de grand cinéma en sirotant une tasse de café. Donc en gros c'est un peu le Durendal des temps anciens. Parce que Durendal il fait ça en format vidéo. Lui il fait ça en format papier. Maintenant ça n'intéresse plus personne le format papier. Donc il fait partie des temps anciens. C'est quoi cette histoire? C'est tellement cool! C'est cool! Pas la peine d'être intimidé dans ce café, nous parlons d'égal à égal. N'hésite pas à venir me parler quand je suis dans les parages. Tu es jeune, tu es donc une chance.
C'est donc une chance pour toi de t'entretenir avec un intellectuel de ma trempe. Ça va par contre, l'ego. Bon, et bien, il est temps de rentrer chez moi. Ah oui, d'accord, c'est moi qui l'ai fait fuir en fait. Très bien. Très bien, je l'ai fait fuir. Ah, j'ai reçu un message. On va juste voir ce que ça veut dire. Moi, je suis content de ton avis constructif. Bah, ça fait plaisir. Ah bah, on répondra au SMS plus tard. Avance, arrête de te poser des questions, vous voulez pas le jeu. Le jus, j'ai dit le jus. Oui, je sais le jus. Le problème, c'est que le jus, je sais pas où il est, les gars. On va parler à Sojiro. Par contre, je prévois pas de faire de social link avec. J'aimerais pas d'argent de poche, tu veux des sous. D'accord, ok. Ouais, il m'incite à trouver un travail, mais je vais. Vraiment, dans le jeu, j'aimerais éviter d'avoir un petit boulot, ça me ferait chier. Sauf si, évidemment, besoin est pour un social link. Salut Aku, c'est bon, Aku est là, on est sauf. Sauf si besoin est pour un social link, ça me ferait chier de perdre les jours avec un petit boulot, parce que je me dis, si je farme suffisamment dans le métaverse, logiquement, je devrais même pas avoir besoin de prendre de travail. Du coup, les gens, vous m'avez tous parlé de ce fameux jus magnifique qui permet d'obtenir des stats plus. La question, c'est où est-ce qu'il se trouve? Où se trouve le fameux jus? Et oui, on a fini le premier palace. Putain, y a une mouche qui vole devant la télé. D'ailleurs, tu as déjà bu du jus de papaye? Non. Voilà. J'ai répondu à ta question, j'espère que tu te sens mieux maintenant. Tiens, il y a un marchand ici. Est-ce qu'on peut faire des achats sans perdre de temps? Non, attendez, j'ai peut-être des achats. Shibuya de la station. Ok, merci, Aku, on va aller voir ça. Alors, est-ce qu'on peut acheter des choses? Seulement un printemps rempli de fruits rend 80 PV aux alliés. Non. Attends, quoi? Mais c'est pété, en fait. Parce que... Attends, mais c'est abusé. Parce que les items qui te rendent 40 PV et 20 PV, ils coûtent plus cher que l'item qu'on a qu'au printemps qui te rend 80 PV. Mais en fait, faudrait que j'en achète la masse. Sauf que le travail augmente aussi tes stats et l'un de ces des tafs te permet l'activité... Oh merde, c'est bien ce que je pensais. Comme dans Persona 4, il y avait aussi un taf qui était lié à une activité sociale. Bon, on le fera celui-là sûrement. Mon clavier est en anglais. La pire excuse. Premier boss, t'as gonflé? Non, il s'est régénéré qu'une fois, donc ça m'a pas gonflé, Panda. Il s'est vraiment régénéré qu'une fois, quoi. Si tu fais attention, normalement, t'as pas de problème. C'est quoi ça? J'ai envie d'en prendre le fruit du printemps. Parce que c'est vraiment, bah, apparemment, en termes de ratio rentabilité-prix, ça a l'air d'être ultra rentable. Le problème, c'est que j'ai pas envie de balancer tout mon argent. Ah, mais je peux en prendre qu'un? Ah, bah, on va le prendre, alors. Ah oui, si je peux en prendre qu'un, dès qu'on peut, on en prendra un, tiens. Parce que franchement, 80 PV pour le prix, ça a l'air d'être la bonne affaire. Vous m'avez dit à Shibuya, alors allons à Shibuya, tac tac tac. Alors, garde nain, on va à Shibuya, et tu avais dit dans la station. Je suppose que tu parles de la gare. Ah, ils sont en train de faire une émission de télé. Bonjour, je veux passer à la télé. Non, je peux pas. D'accord, ah si, attendez, je peux faire un truc là. Excuse-moi, je peux vous poser une question? Que pensez-vous des récents accidents inexplicables? Je ne comprends pas, c'est effrayant. Ça m'intéresse. Comment ça, ça m'intéresse? Comment tu peux être intéressé? Enfin oui, tu peux t'intéresser, mais il y a un petit côté vite bizarre. Garde ton argent pour les items de PC, comme tu peux te soigner avec Marina. Oui, on va faire ça dès que possible. C'est effrayant. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a peur. On a perturbé son monde, autrefois si paisible. Et le gouvernement ne fait rien du tout. Et c'est la fin de notre reportage. Ah ouais, d'accord. On a vraiment retourné mes propos, quoi. On a retourné mes propos. Du coup, la station, elle est là. Est-ce qu'il faut vraiment rentrer dedans pour le... Ah mais oui, je pense que je t'ai déjà passé devant. Attendez, je crois que je vois où c'est. Je crois que je vois où il est, le fameux jus dont vous me parlez tous, le jus de jouvence. Ah, attendez. Centre commercial souterrain, bah ça doit être là. Un truc qui vend du jus. Non mais là, on est dans un centre commercial dans les métros. On va tomber sur le Shonen Store, là, l'espèce de store Shonen Jump. Attendez, c'est un store de cul, ça? Ils vendent des capotes, là? Ah non, c'est des objets qui coûtent cher, ok. J'ai cru que c'était un store X. Qu'est-ce qu'on a donc? Trillion Kara. Body Fit. Attends, quoi? Body Fit? Ça, c'est un magasin pour elle, c'est ça. Regarde la taille de ses talons, on pourrait presque s'en servir pour se battre. Ah bah, Kito, ils connaissent ça, les gens qui se battent avec des talons. Attendez, c'est pas là? Body Shop, non, je pense pas. T'as la boutique de fleurs pour l'engrais ici, c'est pas celle-là? Donc non, ça c'est pour le corps. Attends, les parfums de marque. Oh, ça si on veut. Oh, ça c'est si on a envie de canne un jour, on devra passer par là. Hein. Ville printanière, guérir les altérations, non. Si à rendre des PC, ouais, mais là non.
Attendez, on va essayer de trouver la boutique pour les engrais. Je crois pas qu'elle soit dans ceux-là. Je l'ai peut-être passé. Attendez, parce que j'ai pas tout regardé. Tsurukame. Ok, non, c'est pas ça. Non, non, là, il y a de la merde. On va avancer. Il y a des trucs là ou pas? La fleur sur la map. Oh putain, mais t'es pas con un coup. T'es pas con du tout. Mais donnez une médaille à cette personne. Salut Silverberg. Alors, nutriments bio. Engrais coûteux pour prendre bien soin de vous. Putain, c'est le coûteux de quoi? C'est le moins coûteux des trois. On va prendre que cela. Hein. C'est le plus important en fait. Est-ce que j'en prends plusieurs ou pas? Vu qu'une semaine ça dure 6 jours, logiquement j'en prends 6. Jusqu'au samedi suivant. Mais putain, c'est de l'argent quoi. Non, je vais en prendre que. Les autres, ce ne sont que des engrais sur. Pas des engrais surtout. J'ai même pas regardé ce que c'était, je t'avoue. Allez, on va en prendre 2. Oh, je dépense déjà tout mon fric. Tous les héros de nos jours se battent avec des talons. Bah ouais, je suis pas sûr, non. De toute façon, j'en ai déjà des autres trucs. Allez, j'espère que 2 engrais suffiront. Je sais pas à quel point on doit s'occuper de la plante. Du coup, pour le. Le jus. Le jus, je suppose qu'il y aura une image de jus sur la map. D'accord, ok. Je suppose que ça coûtera moins cher. Alors attendez, c'est pas dans le coin là? Attendez, il me semble que c'est par là-bas, je crois. Voilà, c'est là, 100% c'est là. Juste la station. Oui, c'est là, je l'ai trouvé. Ah, là, oui, la vendeuse m'avait fait de l'œil, je me rappelle. J'avais vu la vendeuse, j'ai fait, oh là, toi, tu rentres pas dans le viseur, mais t'es pas loin. Bienvenue, nouveau programme. Faut équiper l'amulette qui donne plus de fric, comme ça tu seras plus trop pauvre. Ouais, ce serait un bon plan, ça. En plus, je pense que ça, il y a besoin de l'équiper car un perso. Des boissons spéciales, voici ce que nous proposons aujourd'hui. Alors, c'est très amer, mais ça vous fortifie le corps. Ça s'appelle Lao Jiryu. Chaque semaine, on propose... Ok. À chaque semaine, on va... Putain, 5000 balles. Faut au moins 5000 de côté chaque semaine, quoi. Et c'est vraiment rentable, cette merde. Ah, si, écoutez, si vous le dites tous, je pense que vous avez raison. Ça augmente mon charme. Allez, cul sec. Sateto Timothée. Les pires références. Sacré descente, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah ouais, mais là, il va faire un AVC derrière. Bravo, à te voir, c'était pas évident. Hein. Oui, ça ne bouffe pas de temps, surtout. Oh yes. Ça augmente un peu mon charme. On en avait bien besoin. Bon, maintenant que t'es en bonne santé, allons ailleurs. Ok, maintenant, je suis libre de ma journée, donc je peux augmenter les social links, faire des dépenses. Je pense qu'on va faire ça en priorité. On va dépenser notre argent. Attends, c'est... Oh putain, je peux pas redescendre. On va dépenser notre fric pour acheter des items qui nous seront utiles. Et après, on ira faire peut-être un social link ou augmenter des liens sociaux. Ou faire des choses qui nous seront utiles. Voilà. Il y a trop de trucs à faire dans ce jeu. J'ai peur d'en rater plein. Bah, après, t'as un an, enfin plus d'un an, je pense, pour le faire. En temps de jeu, évidemment. Ah oui, là, il y avait le politique. Alors, le politique, on m'avait dit qu'on pouvait faire un social link avec. Mais... Bon, j'ai envie de dire, il parle de politique, rien que ça, c'est déjà quelque chose qui commence mal. Hein, ça m'attire pas des masses. On va passer à une boutique pour acheter... Ah, de la bouffe, tiens. Ça peut pas être intéressant. Tu as faim, c'est ça, on ferait mieux d'aller acheter plein de trucs chers ailleurs. Oh, ça a l'air difficile pour les employés, mais travaille ici pour augmenter ta maîtrise. Ah oui, en tant que travailleur. C'est quel taf qui augmente un lien social? Parce qu'en vrai, c'est ça qui m'intéresse le plus dans les tafs. Hein. Ce serait un taf pour les... Attends, on va aller voir la boutique de flingues s'il n'y a pas quoi dépenser ma thune déjà en gun. Social link est vraiment, vraiment pratique. Ah ouais, bah il m'avait dit, elle s'en fout. On va passer à la pharmacie. Alors, des trucs qui rendent des PC. Il me faut des trucs qui rendent des PC. PV. Putain de la... Attendez, ça coûte pas cher par contre. Ah mais ça... Ouais, mais il y a des... Pansement basique. Par contre, là, attendez, ça réduit son attaque. Oh. Ah non, mais c'est de la chiasse! Ils sont fous! Parle-lui maintenant. Ah, au politique? Bah, je veux bien, mais attends, si ça me prend une après-midi, j'ai pas envie par contre. Si c'est juste lui parler pour lui dire bonjour, why not? Mais alors, par contre, je passe pas l'après-midi avec lui, hein. Clairement, ça c'est un non. Mais eux, ils prennent tout le temps des selfies, mon dieu! Regardez, ils sont tout le temps là! Non, t'inquiète, ok. Oh, c'est vraiment mon thème PS3, PS4, la musique, hein, c'est horrible. Bonjour. Je suis en discours ici ce soir, j'aimerais que tu viennes, j'ai besoin du soutien des jeunes.
On peut sentir le charisme d'une personne hein, quand l'écoutant parler, tu en dis quoi? J'ai l'impression qu'il est sacrément doué, on devrait peut-être y aller. En revanche, comme c'est en soirée, il va falloir demander l'autorisation du patron. Ah ouais. J'aimerais aller voir... quelqu'un me parlait de politique dans la rue. Putain, on va vraiment mal tourner dans ce jeu. Crêperie, est-ce qu'on peut acheter des trucs qui... Non. La boutique de livres, ok. Attendez, peut-être que là on peut acheter des burgers. Des burgers. Vous pouvez désormais utiliser le voyage rapide pour vous rendre à Big Bang Burger. Big Bang Burger. Passer une commande à emporter. Alors, seulement emprunteur rempli de légumes, rend 40 PV, 20 PV, 20 PV. En vrai, je vais tout prendre parce que c'est vraiment pas cher, je pense. Après, faut pas que ça pourrisse. Hein. Ah, mais non, attendez, ça, il y en a infini. 20 PV à un allié. Aux alliés. Ah, mais ça, c'est trop rentable en fait. En fait, faut que je prenne celui-là. Après, 20 PV, c'est pas beaucoup, mais on est en début de jeu, donc why not? Je dépense vraiment tout mon fric. Hein. Le burger magique. Voilà, j'espère que j'en ai pris assez. Après, moi, ce que je veux, c'est vraiment un truc qui rend des PC, quoi. Je suppose qu'on peut pas en acheter maintenant. Hein. Bon, je vais fouiller. De toute façon, là, faut que j'explore. Hein. J'ai enfin mon temps de libre. Faut que je prenne mes repères. Faut que j'arrive à tout apprendre. On va voir s'il y a pas des trucs à acheter au 777. 777. Bienvenue, 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 oui. Alors, PV, PV, PV. Attendez, mais ça, c'est un kebab. Il s'agit d'un kebab. Un kebab. Mmh. Oh là là, ça me manque le kebab. Essaye les machines à boissons pour les PC. Les machines à boissons, ok. Si j'en trouve une, on fera ça. Attends, il n'y avait pas une sur la map. Attends, mais si, c'en est une, là. Oh là là, les PC. On va récupérer les PC, c'est pas ça? Oyabun Middle Gay Corp. Ah oui. Tu comptes acheter quelque chose à boire? Alors, vend des PV, PV, PV. Oh mais c'est de la douille. Personne ne répond à ma question. C'est quoi votre Velvet Room préféré? Moi c'est celle de Persona 3. Bah alors attends, je le rappelle. Celle de Persona 3 c'était une salle... J'avoue qu'elle m'a pas... Attends, il me semble que c'était juste une salle bleue avec le bureau au milieu. Celle de Persona 4 c'était une limousine. Et Persona 5 c'est une prison. Ce qui est sûr c'est que c'est pas celle de Persona 5 déjà. Je dirais la limousine de Persona 4 c'était cosy. Ah oui, ils vendent tous le même truc. Bon bah c'est de la chiasse. Oh la douille. La méga douille. 777, il y avait rien d'intéressant. Les médicaments, c'était de la merde. Il nous reste ça, en espérant que là on ait des trucs sympas. C'est un vrai labyrinthe, on a l'impression d'être dans un palais. Peut-être pas non plus. Alors, améliore les... Ah mais ça, attendez, c'est bien. Ça c'est bien, c'est pour récupérer des PV dans un abri. Engrais bon marché, pour prendre un peu soin de vos plantes. Mais ça c'est pas bien. Quoique... Non mais c'est de la merde, je vais la tuer avec ça. Assortiment de différents ramen du Japon, idéal pour les amoureux de nouilles. Ouais mais ça veut dire quoi si j'offre ça à une meuf? Genre c'est à dire ouais j'ai envie de manger tes nouilles. Qu'est-ce que... C'est quoi le sens caché derrière ces ramen? Vitamine qui couvre tous les besoins énergiques pour les personnes très occupées. Pareil, je sais pas à quoi ça sert. On va prendre je pense des protéines. Ça par contre ça va être vraiment utile dans les palaces. Donc ça faut pas que j'hésite à en prendre plein parce que c'est grâce à ça. Attends une minute, rend 30% de ses PV. Mais non mais je m'en bats les couilles, moi je veux des PC. Oh mais non. Je pensais que ça rendait PV et PC, mais non, mais oh là là. Il n'y a pas de Velvet Room dans P1 et P2. Je sais pas, je les ai pas fait ceux-là, donc je peux pas dire. Persona 3, c'est l'ascenseur. Ah, c'est un ascenseur. Persona 4, la limousine. Et P5, prison. Ouais, ben clairement, moi, je pencherais sur la limousine. Et on peut aller voir un film. Ça augmente sûrement notre courage ou une connerie comme ça en fonction des films qu'on va voir. Bien ce qui se passe en ce moment. Aller au cinéma, prendre du temps, mais si vous y trouvez un film. En vrai, ce serait bien qu'on y aille avec quelqu'un comme ça. On augmente notre social link et on gagne des stats. Moi, je pense déjà rentabilité. Hein. Je suis un fou dans ma tête. Hein. Je suis dans l'avenir. Une place si tu veux aller voir le film. Billet de film. Ouais, ça augmente le courage, mais non. Bon, bah écoutez. Parmi tout ce qui est proposé. Tiens, y'a quoi là? Ah, la salle de sport. La salle de sport. On va juste aller voir vite fait les peut-être les armes. Ouais mais non, non. Ouais non, on va pas se prendre la tête. Bon. Est-ce que j'ai des gens déjà que... En vrai, attendez, pour les petits boulots c'était ici. Vous m'avez dit qu'il y avait un petit boulot qui augmentait le social link. Attends, il est où le gars? Normalement c'était une espèce d'arrière d'usine. Ah bah il était là. Il était là, merde, il est plus là. Ah il est plus là le mec pour les petits boulots, zut.
Parce que je me disais, bah, je commence déjà le taf qui me donne un social link, et puis on est bon. Ah bah, c'était pas lui. En ce moment, des hommes suspects tournent autour de la boutique. Vend des trucs au donjon, au magasin. Oh putain, c'est pas con, ça. C'est vrai qu'on a récupéré masse de merde à vendre. Le courage est utile. Bah, en vrai, je pense que toutes les stats sont utiles à leur manière. Oh, on se fait aggro par Igor, là. Je sais pas pourquoi, mais Igor, quand je le vois, je lui imagine la voix. S'il avait une voix française, je lui donnerais la voix. Alors attention, référence horrible qui, en réalité, j'espère, n'a marqué personne. Je lui donnerais la voix du professeur Globule. Est-ce que vous avez connu le professeur Globule? C'était un dessin animé qui passait sur M6 et sur Télétoon. Putain, qu'est-ce que c'était nul! Et il parlait un peu en mode le professeur! Putain, je l'imite trop bien en vrai! Attendez, mais je l'imite trop bien! Je crois qu'il faisait comme ça, il faisait le professeur Globule. Je détestais ce dessin animé. Il disait genre des squelettes zombies et des poissons spaghettis. Mais il avait vraiment une voix dans ce style là. Et ben Igor, s'il avait une VF, je l'imaginerais vraiment comme ça. Alors Silverberg. Persona 3 version PSP. Si tu veux découvrir la licence. Enfin, si tu veux faire Persona 3 et que t'as pas de l'occasion de le faire sur une autre console, c'est une bonne alternative. Après, son problème à ce jeu, c'est que Persona 3, tu vois, c'est un jeu comme Persona 5 et Persona 4, tu te déplaces dans la ville librement. Persona sur PSP, comme le jeu, il était un peu trop gourmand pour la console, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il n'y a pas de déplacement où tu te déplaces réellement dans les lieux. Donc, t'as une map qui est dessinée avec des gros ronds roses et tu sélectionnes. Et... on dirait pas, mais cette sélection de lieux, moi je trouvais ça vraiment, ça me faisait chier de jouer à une espèce de sous-version visuelle de Persona 3, alors que sur PS2 tu joues normalement quoi. Après, le bonus en plus qu'il a par rapport aux autres versions, Persona 3 sur PSP, c'est que tu peux, il me semble que c'est la seule version de Persona 3 dans laquelle tu peux donner des ordres à tes alliés, si je dis pas, j'ai un doute là-dessus, hein. En vrai j'ai un doute, mais il me semble que dans Persona 3 sur PSP tu peux donner des ordres à tes alliés, alors que dans les autres c'est pas le cas. Les autres versions de Persona 3, tu ne joues pas tes alliés, donc c'est ultra relou, autant le dire. Faut jouer via les tactiques. Le jeu veut que tu donnes des ordres à chaque tour en changeant leur tactique. C'est comme ça que t'es censé jouer, mais personne le fait parce que c'est chiant, enfin quoi que si, des fois je pense qu'il y en a qui le font, mais bref. Et le vrai point fort de cette version, c'est qu'elle a le scénario version meuf, où tu peux jouer une fille au lieu d'un mec. Alors je sais que sur un forum à l'époque, j'avais lu qu'il y avait des gens, ils avaient détesté ça, parce que pour eux, ça dénaturait le scénario de base, et c'était pas la vraie vision de Persona 3. Moi, je pense que c'est des conneries, et que si t'as envie de jouer en tant que meuf, tu peux très bien le faire, et ça peut être une bonne alternative, et ça n'empêche pas de jouer au jeu, surtout que je vois pas qu'est-ce que... En vrai... Le sexe dans Persona 3, quand tu joues en tant que fille, ça peut changer un élément du jeu. Si tu boostes un social link, tu peux réussir à changer un gros élément de la version d'origine, qui du coup peut être très différent. On va pas spoil, hein, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Il y a un élément qui peut être vraiment modifié du tout au tout, et c'est disponible que dans la run où t'es une gonzesse. Mais après, personnellement, moi je te dirais, quitte à faire une version Persona 3, le jeu de base est déjà très bien. Mais si t'as pas le choix et que tu peux jouer sur PSP, ben franchement, c'est une bonne alternative quand même. Après c'est pas... Moi je préférerais jouer sur PS2 parce que vraiment la vue où tu sélectionnes dans les lieux, ça me fait chier quoi. Bon bref, notre maître a installé un portail pour faciliter les... D'accord, ça on le savait, on avait compris. Désolé du coup, hein, pour ceux qui sont là juste pour me voir jouer et qui se disent arrête de parler et joue. Bah, écoutez, je suis comme ça. Docteur Globule. Alors, est-ce que je vois, il y en a qui connaissent Docteur Globule. Ça parle à certains. C'était pas bien. Merci de ta réponse complète. Je pense que je me ferai sur PSP du coup. Mais pas avant d'avoir fini le 5. Nice. Après, le gros problème de la version PSP, c'est que dans Persona 3, pour vraiment, parce que ça c'est important de le préciser par contre, dans Persona 3, le jeu de base, quand il y a des dialogues en fait, tu vois la pièce où il y a les persos avec les persos debout qui se parlent. Dans la version PlayStation portable de Persona 3, le problème c'est qu'il n'y a plus ces scènes-là, vu qu'il n'y a plus les modèles 3D, hors des donjons, mais c'est en lecture visuelle novel, c'est-à-dire que tu vois les persos à gauche et les persos à droite. Et à un moment dans le jeu en fait, t'as une grosse révélation sur ton héros, et cette révélation, en fait, c'est pas quelque chose qui est dit par les dialogues. Tu le vois visuellement dans le modèle 3D. J'avais discuté avec quelqu'un qui avait fait la version PSP du jeu, et apparemment, cette révélation-là n'était pas montrée. Bon, en vrai, c'est qu'un très léger élément dans l'histoire, donc on n'est pas obligé de... Voilà.
mais c'est quand même sympa d'avoir cette révélation. Et du coup, de la version PSP, ils te le font comprendre en sous-entendu, mais tu le vois pas directement. Après, moi perso, c'est un truc que j'avais compris plus ou moins dès le début du jeu. Enfin, je sais pas, je trouve ça se mindfuck à 10 km ce truc là, mais bref, c'est pas important dans tous les cas. Bref, c'est un détail en vrai. Alors, donc, du coup, on peut créer, mais là, j'ai rien à faire ici, je vais me barrer. À moins qu'il soit sur le PSN de la PS3 ou de la PS4. Oui, Persona 3, il est sur le PSN de la PS3 en démat. Mais je crois qu'il est que sur le PSN US. Parce que moi, à l'époque où je l'ai acheté, il était dispo que sur le US. Donc je ne sais pas si tu l'as sur le PSN français. Et information importante. J'arrête pas d'en rajouter, c'est terrible. La version PlayStation 3 en démat de Persona 3 sur PS3 a de gros bugs graphiques, dans le sens où certains modèles 3D pétillent, c'est-à-dire que vraiment ils vont briller, ils vont clignoter, et c'est super casse-couille. Ça le fait qu'il y a très peu de modèles 3D, mais le problème c'est que c'est les modèles 3D qui ont été utilisés, enfin c'est la texture pardon, qui a été utilisée à la fois pour faire le donjon final, donc le dernier étage de la comment ça s'appelait, le Tartarus, et le boss de fin. Donc le boss de fin, quand tu seras face à lui, le machin il clignote comme si c'était une halogène qui déconnait quoi. C'est... voilà. Mais en vrai, c'est pas dérangeant pour faire le jeu, c'est juste super chiant parce que tu te dis, bon, ça fait chier, quoi. Mais c'est pas non plus un truc ultra dérangeant. Enfin, c'est chiant, quoi. J'avais mis un extrait de... enfin, une vidéo de ce bug sur YouTube. Et encore que l'extrait que j'ai mis sur YouTube, on le voit beaucoup moins que dans ce que c'était dans le jeu. Bon, on va vendre. Désolé, hein, si je parle beaucoup et que j'avance pas. C'est quoi la diff entre P2 et FES? Alors, attends, déjà, bah, P2, c'est Persona 2. Et FES, c'est la version complémentaire de Persona 3 où il rajoute un scénario. Alors attendez, donc du coup, tous les trucs avec des icônes de lingots, ça se revend. On est d'accord, il n'y a aucune autre utilité. Ah ouais, le morceau de cuivre, 100%, ça se vend. Valeur correcte, ok. Ça se vend, c'est sûr. Oh, on va se faire du fric. J'aimerais des blanches. On va tout vendre. C'est quoi une halogène? Va voir sur Google. Désolé, mais là, va voir sur Google, quoi. Ce sera plus parlant. Je suis arrivé sur PSP, merci bien. Pas de problème. Le protagoniste féminin de Persona 3 FES ressemble à la fille au ruban. Le protagoniste féminin de Persona 3 FES. Alors, il y a un problème, là. Je pense que tu parles de la protagoniste de Persona 3 portable. Bon, on va tout vendre, vous m'avez dit de tout vendre. Merci les gens, vous êtes les meilleurs. Il y a pas moyen de tout sélectionner. Attends, faites tout vendre en haut. Oh putain, mais elle s'en fout, c'est quelqu'un de compétent sur ce live. Quelqu'un de compétent. Merci, elle. Oui, oui, les gens, merci, merci. Allez hop. Du coup, je vais voir si je peux pas acheter des trucs. Après, j'ai peur d'acheter des armes que j'obtiendrai, ou dont j'en obtiendrai des meilleures dans le donjon. Je pense que je vais surtout acheter des équipements défensifs. Parce que ça. Ah, mais attendez, il y avait une laverie. Fallait passer à la laverie. Fallait passer à la laverie, c'est vrai. Attendez, on va acheter des armes finalement. Des guns, on va acheter des guns. Y'a pas des guns? Non, s'il te plaît, on est dans un... On est dans un magasin d'airsoft. Pourquoi y'a des dagues et pas des guns? C'est une blague? Ah mais non, mais c'est là. Putain, je suis trop con, désolé. Gouvernance. Je passe à 60, comparé à 50. Ouais, c'est... en vrai, c'est pas ouf. Hein. Ça n'augmente que de 10. Attends, si ça augmente de 10, je vais pas prendre. 40 à 50. 45 à 55, c'est pas rentable du tout. Non, c'est de la merde. Fais attention, là, la vraie prend du temps. Mais c'est pas genre à coup, je mets mes fringues et j'y reviens plus tard. Bon, bah écoutez. Oh, c'est chiant. Bon, vas-y, écoutez, on va pas se prendre la tête, on va acheter des bons trucs. On va voir en fait déjà. On passe de 23 à 38. Ça coûte 4500 quand même. Allez, vas-y, banco. Équipé, oui, équipé. Allez, les fringues de défense, je vais les... Mince, j'aurais dû vendre. Bon, c'est pas grave. Attends, combien? 22 à 34. En vrai, attendez, en fait, faut que je sois logique. Faut que j'achète des équipements de défense aux persos qui prennent le plus de dégâts. Genre le héros et Ryuji. Ouais, mais Ryuji, le problème, c'est que lui, il passe son temps à utiliser ses PV, donc vaut mieux que je lui mette une bonne défense. Ah oui, en plus, lui, ce sera vraiment utile pour tout. Voilà. Dazer par exemple, il en a pas trop besoin. Morgana, c'est un soigneur, pareil, on va lui mettre, on va passer. Allez hop. Oh, merci Estelle pour le host. la pierre danse, la pierre danse. Oh, plus jamais je fais ça. Faut surveiller.
Voilà, bon écoutez, je pense qu'on est, on est bon, on va pas dépenser tout notre fric, parce que sinon ça va vite partir. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit le gars là? Oh, tu aimes ce magasin toi aussi? Les armes personnalisées de cette boutique sont incroyables, et regardez suffit à mon bonheur. Ok, d'accord. Ok, Des. Bon, bah, écoutez, ne perdons pas de temps. On a fait tout ce qui était perte de temps, je pense. Une danse ou ça, je sais pas. Je vais regarder s'il n'y a pas des choses à faire quelque part, genre des social links à augmenter. Chambre de velours. Ah non, mais je suis con, ça c'est le. C'est la gare, voilà, faut que je regarde la gare. Là, il y a un social link à Yongenjaya. Je suppose que c'est le social link de. Ah, peut-être la doctresse. Ah, il précise pas. Ça pourrait augmenter ma maîtrise. Au pire, je vais augmenter la maîtrise. On va aller dans la ruelle et on va déjà voir où est-ce que le social link augmente. Je pense que c'est la doctresse qu'il faut augmenter le social link. Ouais, c'est exactement ça. Et je sais qu'Elsanfous m'a dit qu'apparemment, quand on allait voir quelqu'un, le mieux c'était de s'équiper d'un persona qui était de sa carte de tarot. Et ça aidait à augmenter plus vite le social. On va voir c'est quoi elle, sa carte de tarot. Alors attendez. Confident. Elle est où? Elle c'était la mort. La mort. Ok, la mort. Est-ce que sur moi j'ai un persona de la mort? Dazer, j'ai fait un truc détestable sur le Discord. Ah bon, t'as fait quoi? Ok, j'ai rien en rapport avec la mort. Bon, bah on va pas aller la voir. Tu peux voir avec carré sur la map. Ah ouais? Ah merde, attends, c'était sur la map, t'as dit. Non. Tu parlais peut-être pas de cette map là. Peut-être sur la gare. Ah voilà, ici, ok, c'est ça. Attends, Takemi? Ah oui, c'est le nom de la doctresse. Enfin, je suis con. On va aller s'entraîner, augmenter la maîtrise. Je pense que c'est. Bon, en vrai, je sais pas trop quoi faire, donc je me dis, bon, autant faire quelque chose. Alors attendez, augmenter la maîtrise. Ah, il y a un truc de baseball ici. Cache de frappeur. Mais c'est pas ça justement la maîtrise? Cache de frappeur dans un endroit si petit. C'est comment l'intérieur? Allons voir, ça me dit rien. On va aller voir en vrai. En espérant que ça me nique pas mon temps. Donc les caches sont sur le toit. Je vais jamais croiser dans les parages. Ok, tu me diras, le service varie en fonction de l'heure. Alors, utiliser des caches de frappe, augmente la maîtrise, ça améliorera grandement. Vous devez faire face à 5 lancers. Ah ouais, mais faut les réussir quoi. Pour gagner le trophée. Attends, le trophée? On va parler de trophée là. Ça par contre, ça me laisse pas indifférent. En cas d'homerun, vous gagnez le trophée d'homerun. Ok. Vous acquisez 1000 puissance sur le moment de la journée. Le soir, vous ne pouvez pas gagner de prix, mais vous pouvez travailler votre frappe. Si vous réussissez 3 homeruns, vous recevez un coupon de session gratuite en une journée. Ok. Mais c'est dur. Ça coûte que 500 yens après. Mais du coup, ça nous nique à un moment de la journée. Je conseille de save avant. D'accord, ok. Bon, on va garder ça pour plus tard. En vrai, là, on est en mode découverte de la ville. Vous allez sûrement vous dire, mais Dazer, tu tourneront. En vrai, là, on découvre tout ce qu'on peut faire. Donc, ce sera nécessaire par la suite pour ensuite, ça, bah, quand je veux aller quelque part, j'irai, quoi. Ah, la laverie, elle est là. Donc, la laverie, je peux pas... Attendez. Oh, dites-moi qu'il y a des PC. Oh, oui. Oui. Attends, que 5 PC. Oh, je peux en acheter que 2. Alors là, je vais la vider la machine. Putain, la haine. Le soir, c'est limité en tir. Bon, là, l'avril. Là. Ce vêtement forme comme un tourbillon. Ça me donne le tournis. Ok. Bah. Je peux désormais utiliser le voyage rapide. Je peux pas juste laisser mes fringues et les récupérer dans 2 jours. Et Dazer, tu tournes en rond. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Else? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est pas rentable 5 PC que... Il est où le problème? Utilisez la vraie pour du temps, mais vous pourrez y laver votre armure sale pour 400 yens. Ouais. On peut laver jusqu'à 4 objets par cycle. Et c'est pas mal en vrai ça. Le hasard détermine le résultat obtenu. Pensez à la laver quand vous avez une armure sale. Et dispasse, ça prend du temps. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'aise du coup? Pourquoi tu mets Dazer 3 petits points? Rien. Ok. J'ai... Tu as un perso nommé Else? Non. On peut pas nommer les persos de Persona 5. Unisex, vas-y, on va les mettre. Tu peux ajouter 3 équipements. Ajouter un arbre. Oui, ajoute. Attends, mais j'en ai encore? Mais je les ai déjà mis ceux-là. Ah non, on peut mettre ça plus des équipements. Poussiéreux style féodal. Je pense, je sais pas pourquoi le homme sera mieux. Parce que l'unisex, je sens que vu que c'est pour les deux sexes. Vas-y, on va prendre celui pour homme. Vu que moi j'ai pas. Tu peux ajouter un vêtement. Ah non, on peut vraiment en fait.
me permettre de... Ah mais c'est parce que j'en ai obtenu plusieurs. Bon bah lançons la machine comme ça. Oh mais 400 yens. Nana. Nana. Oh le savon des mains publiques. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Putain, j'ai l'impression de faire un gacha. Oh putain, putain c'est trop bien. J'ai l'impression de faire un gacha. C'est beaucoup plus propre que je m'y attendais. Alors, pyjama de succube, vieux manteau de duc, vieux pyjama. Bon, ça a clairement niqué ma journée. J'espère au moins que ça en valait la peine. Au pire, c'est pas trop grave. Heureusement qu'ils ont réparé le métro aussi vite. Les incidents étranges s'enchaînent cette année. Notre pays part en vrille. Il n'y a donc plus d'hommes policiers qu'honnêtes. Comment garder espoir dans un pays pareil? Qu'est-ce qui se passe? T'as eu de nouvelles de Kamoshida? Non. Bah on est dimanche. Je vois. C'est passé quelque chose? Je sais pas, je suis un peu inquiet. Gacha du pauvre là. Je me suis dit que malgré tous les efforts, on risque quand même de se faire virer. Ma mère va être triste si ça arrive. Oh Ryuji! Si la mère de Ryuji est triste, je serai triste avec elle et ça je ne le tolérerai pas. Et puis si on n'arrive même pas à aider Han ou Shio, nous devons rester confiants. On verra en temps voulu. Nous devons rester confiants. Désolé, c'est pas forcément le moment de se laisser abattre. En tout cas, je me sens un peu mieux maintenant qu'on en a parlé. Merci, mec. Oh, et ne dis pas que Anne... Ne dis pas à Anne que j'ai douté, ok? Si on se laisse abattre, elle n'aura plus personne sur qui compter. Allez, à plus. Ok, on peut utiliser la machine à café. C'est vrai que ça nous permet de faire des PC. Après, on peut augmenter aussi le social link du mec. On pourrait commencer... Maintenant, je peux te le dire, pour la laverie, ça dépend de toi. Mais tu vas pouvoir les vendre plus tard, ça apporte également un trophée d'ailleurs. Ah bon bah j'ai bien fait alors. J'ai bien fait si ça permet de gagner un trophée, bon bah nickel. Mais du coup je peux les mettre en attendant. Ça se trouve je suppose c'est mieux. Alors, ah oui c'est carrément mieux. Oh nice. On va le mettre à Ryuji. Oh mais c'est carrément mieux. Pyjama de succube pour Anne. Oh, j'ai toujours voulu l'avoir en pyjama de succube. Faut les vendre sales justement. Ah ouais? Ah mais ça fallait le dire. Ah le salaud. Bon de toute façon j'en aurai d'autres des sales. Puis voilà c'est assez rentable donc je vais pas m'en plaindre. Putain j'aurais pas dû acheter des fringues pour tout le monde du coup. Putain je suis dégoûté, j'ai acheté de la défense à tout le monde, je viens d'avoir mieux. Oh là là, déjà une journée où j'ai fait que de la merde. Bravo. Ça vaudrait limite plus le coup de reroll quoi, enfin de reroll, de recommencer quoi. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on va voir le politicien? Vas-y, tu sais quoi, on va commencer. Tant qu'on peut, on va se donner ça comme objectif. Dès qu'on a la possibilité d'avoir un nouveau social link, on va le faire histoire de vraiment avoir le listing de tout ce qu'on a. Parce que je sais pas combien il y en a dans le jeu. C'est moi qui verrai la porte, j'essaie de pas rester dehors trop longtemps, ok? Bah en vrai, tu m'avais dit la dernière fois que je pouvais la verrouiller. Pas être trop loin, il reste plus qu'à apprécier la vue nocturne de Yongan. Et si on allait voir dans ses bains publics, mais l'entrée est peut-être à Altosha. Je crois qu'il y a un cinéma dans le coin. Non mais on va aller voir le politicien surtout en fait. À moins qu'il y ait un truc précis à faire la nuit, que je peux pas faire le jour. Qu'est-ce qu'elle me veut elle? Bienvenue. De la chiasse. donc le politicien, oui. Comment on fait pour aller le voir? On peut pas? Parce qu'il faut demander la permission à Sojiro, c'est ça? Comme je sais plus, je crois que c'est le chat qui l'avait dit, hein, Morgana avait dit. Fallait demander la permission à Sojiro. Peut-être pour ça que je peux pas aller le voir là. J'avais promis de rester dans le quartier. Faut être patient, monsieur. Bah oui, mais bon, faut peut-être vraiment que on va aller parler à Sojiro, juste voir si... qu'est-ce qu'il a lui. Ah, il est bourré. Bonsoir tout le monde, chez les infos de d'hier. D'abord une série d'accidents, les gérants qui ici va et va d'où. Reprenez-vous, qui êtes-vous? Vous articulez mal, non? Reprenez-vous. Tu me dis de me reprendre? Ça se sait. Ok, d'accord. Alors attends. Ah, il était là le café. On va aller voir si on peut demander à Sojiro. Est-ce que je peux aller écouter le politicien? Non. Non, je veux le politicien. Tiens bien, j'espère. On peut pas lui demander.
Attendez, il y avait le quiz aussi. Chaîne shopping où tout le monde parle. Ok, les téléachats. Alors, voici le pack bien réveillé. N'ayez plus peur de vous endormir. Il contient un patch de caféine et 10 gouttes à Uri. Je suppose que c'est pour se réveiller quand un perso s'endort. Le thé chaud et amer, une affaire incroyable. Mais ce n'est pas tout. La touche printanière, parfait, ceux qui veulent ça. Ok. Ah, attendez, le mochi Sakura, je crois que ça rend des PC. On va acheter, on va acheter. Il a dit que ça coûtait combien? Apparemment, les 110 se sont débordés. On pourra acheter que l'un de ces deux articles. C'est dans lequel des deux qui a les PC? Touche printanière, bonne santé. Pour votre santé, votre endurance. Pas de rester éveillé. Je pense que c'est ça, hein. La touche printanière. Putain, ça coûte 5000. Oh, mais si ça me file 5 items pour les PC, franchement, je dis pas non. 5 items, j'en aurais jamais eu autant sur moi. Le 5000, ouais, on va prendre ça. Un nouvel acheteur vient d'appeler. Merci beaucoup. La touche printanière. Les articles sont épuisés, le dernier client a eu énormément de chance. A tout le coup, c'est nous. Vous avez votre commande dans les prochains... Ok, d'accord. Sateto. On va lire, on va... Oh, je sais pas, putain, oh, c'est terrible. J'ai trop de trucs à faire. Allez, se laver dans le jeu, hormis être propre, ça sert à quoi? On va aller voir. Mince, j'ai passé. Allez, on va essayer, ce sera plus parlant. Je peux pas racheter des trucs? Non. Ah, un BG. Un BG? Mais non. Sans les mappliques, c'est vraiment un coin paumé. Ça augmente le charme. Ok. Il y aura peut-être des gens qu'on pourra rencontrer dedans. Hein. Allez, let's go. C'est drôle, hein, quand même. Pour draguer Anne, faut augmenter la gentillesse. Hein. Elle s'en bat les couilles de si on se l'avoue pas. Bon, bah, let's go. Ouais, y a un titan. Y a un titan avec nous, regardez. Ce bain à l'armoise me réchauffe petit à petit. Tu sembles vraiment reposé en sortant, ça a l'air très efficace, c'est pas médecino. Ouais, tu sens bon en plus, tu es superbe. Oh yeah. Oh ouais, ouais, le charme rend deux étoiles. Yes. Votre charme a augmenté de anonyme à intéressant. On devrait rentrer avant que tu n'attrapes froid. Yes. Enfin là, qu'il doit avoir le corps chaud, je pense que... À moins qu'il aille vraiment dehors comme ça à poil, il devrait pas se refroidir aussi vite. Hein. Ah, on peut lire. Yes, on va finir la danse attrayante. C'est pas celui que j'avais emprunté à l'école en plus. Parce qu'en vrai, faudrait que je finisse celui-là en priorité pour le revendre. Enfin, le revendre, le rendre. Allez, c'est parti. Finissons-le. Même face à la mort, son âme était libre. Et... Ah, tu as fini de lire la danse de la attrayante. La magnifique Carmen vivait d'amour et de passion. J'imagine qu'une vie sans liberté n'a aucun intérêt. Je ne sais pas si je pourrais vivre comme elle, mais tu as beaucoup appris, non? Oh putain, mon charme, c'est ça encore le charme? Waouh. Mais je vais ken avant la fin du jeu, 100%. Hein. Là, tout dans le charme. Hein. Opération Bézade. Les waifus n'ont qu'à bien se tenir. Bon, je suppose que là on va... Ah, mais faut peut-être attendre la fin des 9 jours pour voir les répercussions de le métaverse. Tu sais quoi, je me lance à la conquête des jeux télévisés. J'ai vu le film Tank Top Millionnaire au cinéma dans la rue principale et celui où une jeune de quartier défavorisé devient riche grâce à un jeu télévisé. Tu devrais redescendre sur Terre et si tu étudies au lieu de penser à des jeux télévisés. Oh, tu m'as eu. C'est vrai que le cinéma c'est cool. Les films d'action, les comédies. C'est un secret. Tiens, on dirait les quiz que Else m'a fait hier. Moi, mon genre de film, franchement, je serais même pas dire en vrai. Pour vous dire, pour essayer de vous donner une idée de mon possible genre de film, mon film préféré de tous les temps, mon number one, mon film favori, c'est Forrest Gump. Parce que je trouve que c'est un film qui a tout. C'est un film qui...
qui a des passages drôles, qui a des passages touchants, qui a des passages marquants, qui te raconte une histoire qui est intéressante, qui est... Non, ce film, il est incroyable. Forrest Gump, il est génial. Et voilà. Après, moi, un type de film favori, j'en ai pas spécialement. Je m'intéresse pas tant à ce que le film est comme genre, je m'intéresse à ce qu'il raconte. Est-ce qu'il est sympa à regarder? Est-ce que je passe un bon temps? Après, voilà. Dans les faits, je dirais plus... Je pense que je préfère les comédies aux films d'action, mais en vrai, j'en sais rien, donc je dirais les comédies, mais c'est pas... En vrai, je sais pas du tout, vous voyez. On dirait les comédies. Un truc pour reconnaître, le livre de l'école, ils sont tous en rapport avec les personnages des héros. D'accord, ok. Genre, la ligne verte, ça te plairait. Le problème de la ligne verte, c'est que je connais déjà le... Attends, non. Ah non, c'est Soleil Vert où je me suis fait spoiler le gros plot twist de l'histoire. Donc la ligne verte, je ne connais pas. Après, je sais pas si ça me plairait, c'est possible. Faut demander. Généralement, elle, ça a un peu de flair, sur... vu qu'on a vu pas mal de films ensemble. Sur ce qui me plairait ou pas. Quoique. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Ah bon, remarque, avec du recul, ça te correspond bien. Lorsque je serai redevenu humain, on pourra jouer à la comédie sur grand écran. Bref, on devra aller au cinéma de temps en temps. Oui, on le fera une fois pour tester. Dazer le Hunter Waifu. Ah bah ça, c'est l'objectif. On est là pour pécho. Aïe, aïe, aïe. Blindé. C'est quand quelque chose est protégé par du blindage. Si le bus est plein, il est bondé. Quelqu'un a dit qu'il était blindé. Je pensais que ton film préféré c'était l'heure de la sortie. Elle s'en fout, je t'emmerde. Tu sais très bien que c'est un bon gros film de chiasse l'heure de la sortie. Un magicien. Mon pays a tort ou a raison. Pas genre de mots comme ça. Oh là. Oh non, elle va me demander à moi. Oh non, elle va me demander de l'aide. Oh non. Oh non! Non, 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 non! Non! J'ai à peine suivi la question! J'ai à peine suivi la question! Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Mon pays a tort ou a raison? Tu le soutiens aveuglément? Tu doutes de ton pays? Tu refuses de partir sans raison? C'est tu le soutiens aveuglément. Parce qu'en vrai, je soutiens mon pays à tort ou à raison, c'est que bah, tu le soutiens quoi qu'il arrive en fait. Moi je le prends dans ce sens là. Toi aussi tu as vu la critique de Ninja Force pour le Soleil Vert? Il me semble que je l'avais vu. Bon, j'avoue en gros, quand il a quoi qu'il arrive, tu soutiendras toujours ton pays. Mais à la base c'est différent, non? J'imagine que tu dois vouloir dire un truc du genre. Tu vas pas tricher? Ah non, 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 attends. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais à la base, c'est différent, j'imagine que tu n'as pas raison. Tu peux pas changer le destin. Tu vas faire tout pour l'améliorer. Tu t'en moques. Ah oui, mais attendez, mais là, ça, là c'est une question personnelle. Là, ça n'a même plus de rapport avec la question de base. Tu peux pas changer le destin. Tu vas tout faire pour l'améliorer. Bah, non, alors, attends, mais là, là en fait, c'est, là, ça dépend d'un point de vue. Parce que, en fait, d'un point de vue d'un politicien, logiquement, si on parle d'éthique pure. Il est censé soutenir son pays dans l'optique de l'améliorer. Donc je suppose que c'est ça le sens de la phrase. En tout cas, moi, si j'étais politicien, je l'utiliserais dans ce sens-là. C'est pour ça que je suis pas politicien. Mais non, n'empêche, parce que je soutiens quand même mon pays et que voilà, moi j'aime la France. Et je sais que beaucoup de gens passent souvent leur temps à la critiquer. Parce que c'est bien connu, le Japon c'est mieux que la France. Mais apprenez à aimer votre pays. Hein. Quoi qu'il en soit. Tu t'en moques, tu peux pas changer le destin. Tu l'as tout faire pour l'améliorer. Tout à fait. Et bah voilà, on est bon. On est bon, un peu de logique, vous voyez? Ça ne fait de mal à personne. Et non, Else, moi j'ai dit je triche pas, hein. J'ai pas envie de tricher sur les quiz. Même si, maintenant que tu m'as dit que pour devenir premier de promo, ça faisait gagner un trophée, et que ça, apparemment, fallait répondre à des questions, ou c'est des trucs qu'on me dit pendant tout le jeu, là j'hésiterais à tricher, sincèrement. Parce que vraiment, ça me... un trophée gratuit, quoi. Oh, Sugoi! Subarashide! Subarashide! Oh là là, on est vraiment dans un jeu japon. Moi, j'annexerais les pays proches de la France si je pouvais changer le destin. C'est vrai ou pas, Niette? Moi, je sais pas ce que je ferais, moi, je m'en fiche. Il faudrait juste que le monde s'améliore, déjà, c'est une bonne chose. Après, pour autant, faut faire avec ce qu'il nous offre, c'est déjà bien. Pourquoi tout le temps se plaindre?
Ouais, j'étais vraiment pas prête, tu m'as sauvé. Je sais, Anne. Bientôt, je te sauverai de toutes les facettes possibles. Oh, je suis le pire. Je suis le pire. Oh yes, attends, c'est encore mon charme qui augmente. Ouloulouloulouloulou. Ah, oh, c'est que du positif là. Hein, on est bon. Après l'école. La Belgique est déjà une annexe de la France. Alors. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? On peut pas devenir pote avec Mishima là? Ça, je suis sûr qu'on pourra plus tard. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Monsieur Kamoshida vient plus à l'école, ça signifie que dans ma vie. A mon avis, on pourra être pote avec lui quand on aura fini l'arc dans 7 jours en fait. Dans 7 jours. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de notre temps libre? Est-ce que je peux traîner avec Ryuji? Ça pourrait augmenter ma connaissance. Il est comment le temps? Le temps, il est pas top. En vrai, ce serait le bon moment pour étudier. On va peut-être aller à la bibliothèque du coup. On va regarder, attendez. Est-ce que je peux booster les social linky avec Takemi? Ah. Je sais pas si Takemi, je la bourre déjà ou pas. Ah, mais le problème, c'est que j'ai pas de persona de la mort. Après, il pleut pas. Mais c'est pas juste le mauvais temps? Parce que là, il y a du mauvais temps. Genre, il y a des nuages, c'est nuageux. C'est pas juste le mauvais temps? J'avais l'impression. Bon, bah, je dois me tromper. Bon, au pire, on peut aller voir Takemi. Vous savez quoi? Je vais passer voir si je peux pas créer un persona de la mort. Après, c'est peut-être compliqué de réussir à en avoir un maintenant. Pour Takemi. Ok. Ça me plaît, cette manière de penser. Alors, attendez. D'abord, on va aller à la Velvet Room voir si je peux créer un persona. Un persona. La mort. La mort, Ochichi. La mort, please. D'accord. Mais la mort, Titi. La Belgique, c'est un peu le cousin gros et beauf de la France, donc bon. Peut-être qu'il y en a déjà, il faut juste le racheter. Ouais, je vais regarder. C'est pas con ça, j'ai pas pensé à, ça, à cette option. Alors, on va voir si on en avait déjà eu. Voir invoquer. Bon, c'est sûr, il y en a dans les DLC, mais on va pas toucher au DLC comme on a dit. Le mât, le battleur, le pape, l'amoureux, le chariot, l'ermite. J'en ai pas du tout. Évidemment. Ah si, j'en ai un là. Kelpie. Oh, tu m'étonnes qu'il fait partie de la mort, il est à moitié mort le bordel. Sinon j'ai Mokoi. Ah, Mokoi, je crois que je l'aimais bien. Ah non, lui je le déteste. Je le déteste lui. Lis mieux. Ah mais non, c'est la force, pas la... La mort c'est en dessous. J'ai confondu les deux du... Non mais c'est bon, ok. Ah, je déteste quand il me dit lis mieux, j'ai l'impression qu'il parle, il me prend pour Coléo. Y'a pas moyen de les ranger par... Ah bah là, attendez, par arcane. Bah comme ça. Attendez, la mort. Ah bah oui, mais c'est comme ça qu'ils sont rangés de base en fait. Alors attendez, la mort. Moi je veux voir tous ceux qu'il y a en mort. Le moins cher effectivement c'est Mandragore. Le truc c'est que c'est de la merde. Est-ce que j'ai un persona qui a du feu sur moi? Au cas où j'ai envie de me faire une cigarette. J'ai peur que tu fasses des bêtises. Je vais juste regarder d'abord si j'ai un persona qui a du feu sur moi. Alors, j'ai Jack Frost, Cat Sight. Ah oui, Cat Sight, il a du feu. Ah putain, fais chier. Je peux pas genre en fusionner. Ah oui, what? Si je fusionne Cat Sight et Jack Frost, ça me donne un personnage niveau 2. Putain, la douille. La méga douille. Oh là là. Il est prévenant comme un père avec son enfant. Ouais. Attendez, faites pas ce genre de comparaison. Alors, attendez. Bon, on va prendre l'autre. On va pas se prendre la tête. Allez, bah, Balek. On va prendre la Mandragore. C'est le moins cher. Voilà, fait bien partie de la mort. Oui, on confirme. Vas-y, on va l'équiper. Allez, hop. On va l'équiper et on est parti. Ah mais non, mais laisse-moi sortir. Oh, cette musique. Cette musique, bon Dieu. La cigarette, ça te fait gagner du charisme? Non. Pas du tout, ça tonique juste la santé. Si ça suffit pas à t'empêcher d'en acheter, je sais pas ce qu'il te faut. Alors, bam bam bam, persona... Oh, la mort, c'est quand même un peu casse-couille cette option de faut avoir un persona d'équipé. Bon. À la limite, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que dès qu'on a un persona sur soi, ça augmente le social link, pas besoin de l'équiper. Attendez, si je retourne voir le... Comment il s'appelle? Le gars là qui... Voilà. Lui, politicien. Je vais faire un discours ici ce soir. J'aimerais que tu viennes, si tu veux bien, j'ai besoin de soutien. On peut sentir le charisme d'une personne quand on l'écoute en parler, tu en dis quoi? J'ai l'impression qu'il est sacrément doué. On devrait peut-être y aller.
comme ça, il va falloir demander l'autorisation. Bah oui, mais dans ce cas, quand j'ai voulu demander l'autorisation, il a pas voulu. Enfin, on m'a pas proposé. Ah, Chico. C'est un fidèle qui a attendu ça. Oui. Je t'abandonnerai pas, Morgana. Morgana. Du coup, on va voir la doctresse. T'as pas besoin de l'équiper. Ah, c'est déjà mieux alors. Allez hop, on va ken. Au printemps, elle a un coup de mou. Ça ne doit pas être ces planètes qui sont alignées alors. Il y a de fortes chances que je m'évanouisse à nouveau en prenant ce médicament. Il faudra que je passe audacieux en courage pour tenir le choc. Il vaut mieux éviter de proposer un essai clinique. Bah, c'est aussi le moyen de l'augmenter le courage, non? Attendez, je suis obligé de... Attendez, ça sert à rien? Ah putain, faut que j'augmente mon courage. Bon, on va... Ok, objectif de la journée, on fait un truc qui augmente le courage. Ma maîtrise. Non, ça ne m'intéresse pas, moi je veux le courage. Yes, le cinéma. Évidemment, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est l'histoire d'un ado qui devient millionnaire en gagnant un jeu à la télévisée. On dirait que ce film peut-être augmenter ton courage. C'est pile ce dont j'ai besoin. Yes. Putain, 1500. Mon fric, c'est pire que la vraie vie. Sateto. Sateteto, une grosse bouffe. Oh, c'est terrible ça. Regardez la tête du chat. Regardez comment il est à fond sur le film. Comment un enfant si jeune peut-il avoir... Mais oh, parle pas pendant le film, enculé. Le courage de ce garçon et son attitude envers la vie sont touchants. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça augmente. Oh merde, pas du tout. Le chat dans le cinéma, aucun problème. Bah après, du moment que tu le plantes dans ton sac et qu'il parle pas, je pense que ça passe. Hein. La voix, ça ressemble pas à une petite fille. C'est vrai. On a même radé les crédits jusqu'à la fin. Miaou. Ok. Très bien. Tu reçois un colis. Nice. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est mon colis. Bah, c'est mes médicaments. Les Mochi Sakura. Oh, ça fait plaisir. Oh. Faut que je me prépare hein, quand j'aurai un prochain donjon. J'ai pas envie de... Y a pas de me croiser, non. Ok. Soshiro. Tu as fait du café, j'ai pris un... Je pense pouvoir me rapprocher de Soshiro grâce à Bires, le personnage de le pape. Je n'ai pas l'impression que le lien qui m'unit à Soshiro soit sur le point de se renforcer. Oh merde. Mais moi j'aimerais demander à aller voir le politicien. Du coup faut que je l'équipe. Attendez, on va regarder quand même. Je suppose que s'il précise c'est que j'ai pas besoin de l'équiper, mais on va quand même vérifier. Effectivement, je l'ai sur moi. Mais ça va pas augmenter mon lien. Après ça crée du café et le café ça peut être bien pour avoir des objets qui... Je suis vraiment... Eh mais je pense qu'à ça, hein, c'est un truc de ouf. Je pense que à des items qui rendent des PC. Au pire je lis. Attendez, j'ai quoi à lire? Non, lire. Donc tu m'as dit que c'était tout ce qui était lié à un persona. Je vois pas c'est lequel qui est lié à un persona là. J'en ai peut-être pas emprunté. Si, il me semblait. Un célèbre dragueur apprenait à charmer. Ordonne à son cœur l'histoire de Bushiko. Ah bah c'est peut-être ça. Histoire touchante d'un chien et son maître. Ah mais c'est l'histoire de Hachiko ça. Carmen. Ah mais toi tu connais peut-être le nom des persona quoi. Ah mais je l'ai déjà lu alors. Nickel, bah parfait. Bah parfait, ça va dégager. Faudra penser à aller les changer dès que je peux. Est-ce que j'en lis un ou pas? C'est la persona de Anne. Ah d'accord. On va pas lire, on va déjà aller dans la chambre. Je suppose que si on s'occupe de la... Attendez, on verra après. Je suppose que si on s'occupe de la plante, ça nous prend pas de temps. J'ai une idée. Apporte-moi cette chaise là-bas dans le coin. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu peux éteindre la... Attends, tu peux atteindre la poutre sur le plafond en grimpant sur la chaise, pas vrai? Je devrais y arriver. Super, utilise cette poutre pour te muscler un peu. Quoi?
Mais t'imagines, il arrive à ce moment-là. Vous dites la persona ou le persona? Moi, je dis un persona, donc... C'est vrai que je me suis jamais posé... J'en sais rien. Je crois que j'ai jamais dit là ou le persona, tout simplement. Ça m'est jamais arrivé. Bah écoutez, au moment où je le dirai, faites attention à comment je vais le dire. Mais attends, mais la poutre, bah j'espère qu'elle est solide. Hein. Alors, la plante. Au bout de 50 heures de jeu, avoir les persos qui hurlent le nom de leur persona, tu retiens. Je sais que ce serait sympa, mais elle a l'air morte en fait. Déjà ? Ah non, non, non. Bon, ça me nique bien ma soirée, je crois. Quoique, c'est un engrais après moyen. Oh, c'est gratuit ça. Ah mais j'aurais dû en prendre la masse. Putain, mais fallait me le dire, j'en aurais pris la masse. Mais j'en aurais pris à balle. Si on m'avait dit que ça augmentait... ça augmentait quoi? C'était le la maîtrise. Alors là, la maîtrise, c'est bon, hein, je l'augmente plus par ça. Au pire, je peux mater un film. Parce que j'en avais emprunté un. Parce que sur Giro, on n'est pas prêt d'augmenter notre social... Ça me fait chier d'aller en un social link si ça l'augmente pas. La gentillesse, ah bah parfait, c'est ce qu'il faut pour Ken Han. Ça veut dire d'un homme capable de tout construire à partir de rien. En vrai, ça, on va le mater vite fait parce que je pense que ça me permettra d'apprendre de nouveaux items pour les donjons. Donc on va le faire. Après, je sais pas si ce sera des items utiles, mais... Mais bon, je peux pas le faire tous les jours. Ah ok. Bon, en tout cas, on prend pour être tranquille plus tard. Allez, Guy MacGyver. Oh la télé cathodique. Les prises RGB derrière là. C'est l'histoire d'un homme qui n'abandonne jamais et parvient à ses fins grâce à son ingéniosité. Regardez comment il est assis, Morgana. Ah! La maîtrise. Pas mal ça. Oh, en plus! Mais moi, il me faut du courage! On va retourner au cinéma dès que possible. Je suis passé de incompétent à convenable. En vrai, là, on profite de nos vies pépères. Là, c'est bien le jeu. On est tranquille. Oh, Yann. Oh, Yann. Mais on n'est pas tous dans une famille de richoux, hein. Moi aussi, je suis inquiet, je suis sûr que ça va aller. Ça va aller, ma petite Anne, t'inquiète pas. Bon, peut-être pas pour Chio, mais en tout cas pour nous, ça devrait aller. Ah, je les trouve vraiment pas jolis, ces collants tout rouges là. Vraiment, je trouve ça trop rouge en fait. En vrai, ça va avec sa tenue d'école, mais genre, c'est la tenue Persona 3 où ça n'allait pas. Murmure, murmure. Oh, il parle de moi, il parle de moi. Ah, alors attendez. Ouais, mais je suis quand même stressé. Enfin bon, on n'a pas le choix. Attends, on verra bien ce qui va se passer. Je m'en demandais de faire les courses, ça me saoule. Mais bon, s'il y a un truc important qui se passe, fais-moi signe. Ah d'accord, on peut pas aller avec lui. On va aller changer le livre à la bibliothèque. Bon, le temps est super en... Oh, il y a ma meuf là. À cause de cette histoire avec les voleurs fantômes, Kamoshida a décidé de s'isoler. En plus, on a des examens juste après les vacances. Je me demande ce que ça va donner le prochain semestre. Elle n'a pas remarqué, elle doit être concentrée. Le gros cri. Le gros cri. Allez, on change de livre. Je dois emprunter un... je dois rendre un livre déjà. Vous avez déjà battu Kamoshida? On a fait son donjon. Ok. Ah, moi c'est ça que je veux. Celui-là, malheureusement, je ne peux pas te prêter celui-là, il a déjà été emprunté. Il est étonnamment populaire, quelqu'un va l'emprunter aussitôt. Oh, en fait, faut tout le temps regarder qu'il soit là.
Quand les personnes se disent pas pour leur social link, ils ont une icône. Ok, ok, d'accord. C'est logique, tu me diras. En vrai, faut que je sois super attentif pour le pécho. Oh, Zoro! Mais c'est One Piece, ça! Oui, ou alors c'est tout simplement Zoro, voilà, l'histoire de Zoro. Le bandit gentleman! Moi, je veux un truc, le courage, voilà, l'histoire de Captain Kidd! En vrai, je vais venir voir tous les jours s'il est là. Même s'il est là, je rends un livre que j'ai, parce que vraiment, il faut que j'augmente mon... Voilà, le truc pour lire plus vite, ça, franchement... Mais c'est pété! Un livre qui se lit en deux fois, on le lit en une fois, vous imaginez comment c'est rentable? Abusé, le truc. Du coup, oui, mon courage pour aller baiser l'autre, là. Donc, on va retourner voir un film, je pense. Attends, ça fait quoi, ça? Connaissance. Ouais, mais non, mais il pleut pas. Pas rentable. C'est ouf, comment je pense direct rentabilité. On peut aller voir le film. Quoi que je me dis, vu que je lis le DVD le soir qui augmente mon courage, ça vaut pas forcément le coup d'aller voir le film. Mais dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire qui me prend mon après-midi? Qu'est-ce qui peut me prendre mon après-midi et qui m'augmente mes stats? On va aller voir à Yonga machin là. Là j'ai la maîtrise, on va aller faire ça. Ah mais à quoi elle a dit? Il faut sauvegarder avant. Zoro c'est le personnage de Morgana, ok. Bon, c'est vrai quoi, j'ai pas envie de passer mon temps à savoir décharger pour ce genre de truc, mais la cage de frappe, on va faire attention parce que ça rapporte un trophée déjà. Et parce que je connais pas encore le timing, donc j'ai vraiment envie de me laisser une chance, voilà, ok. Il a chai. Ok, débutant. Gambatte. Ah mais je suis con, ça augmente pas le courage, ça augmente la maîtrise, le DVD, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ajuster l'angle, oh non, faut ajuster l'angle. Quand la balle se superpose à son icône, appuyez sur croix pour frapper. Mais je vais jamais... Attends. Oh putain, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Ok, je l'ai. Non, putain, j'ai appuyé trop tôt, oh le débile. Attends, il m'en faut 3, c'est bon, c'est pas mort. Je mets toute ma force dans un appuyer. Bon, j'en ai eu 3, parfait. Je crois qu'on s'en... Du coup, c'est bien, on s'en est bien sorti. T'as pas gagné le trophée de home run ou de frappe, tu auras plusieurs. Ouais, par contre, c'est chaud, hein. C'est Wii Sport. Il ne reste qu'un peu de temps, tu peux continuer à jouer. Ah ouais? Ah ouais? Mais c'est rentable en fait. Je suppose. Hein. Ça n'a pas augmenté quoi que ce soit pour le moment. Vas-y. Pourquoi je fais ça, putain? Désolé, pardon. Putain, mais comment on fait pour viser là-haut? Oh, presque no life. Mais je vais jamais l'avoir. Mais c'est trop dur. C'est mieux de venir le soir. Comme c'est tir illimité, tu peux vraiment t'entraîner. Ah oui, mais je veux pas m'entraîner, moi je veux... Tu as réussi tout tes lancers, bien joué, reçois le trophée de la frappe en récompense. Ok. Quand tu frappes, quand tu tapes, faut que tu inclines la batte légèrement plus bas. Ok, else. Donc je peux vraiment en fait faire en boucle. Attends, mais en vrai je peux en profiter de ouf. Alors je sais pas moi, bon ça me prend 500 mais... Donc plus bas vous dites. Oh putain, un peu trop bas je pense. Peut-être pas non plus trop bas, voilà genre là. Ah oui, là ouais, ok, j'ai le truc. Merde, oh putain, j'ai tapé trop tôt, c'est ma faute. Je vais leur perdre une balle à cette allure là. Putain, je vais jamais avoir le... Oh putain. Plus ou moins, faut mettre ta batte à la moitié de la balle et avec le bon timing. J'ai envie de charger ma sauvegarde. Est-ce que je charge ma sauvegarde ou pas, les gens? Est-ce qu'on triche? J'ai envie de charger. Ah, ça y est, vous m'avez tenté là, vous m'avez donné le bis. Ah, vous êtes fous. Mais regardez, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais dans le menu? Non, qu'est-ce que je fais? Non. Non, mais pourquoi je fais ça? Je me contrôle plus. Ça y est, c'est fini. Non. Bon, bah tant pis, on charge.
Allez, on va essayer de la voir. Putain, j'ai perdu ma voix avec ça. Allez, hop. Maintenant, c'est un sans faute. Hein. Gambate. Ok, je l'ai, c'est bon. Mais moi, je connais. Beaucoup. Non, par contre, attendez. Putain, je suis con, faut que je continue à jouer ensuite. Mais je suis débile, moi, je lâche la manette. J'ai lâché la manette. Oh, j'ai lâché la manette. J'ai lâché la manette. J'ai lâché la manette. C'est pas rentable par rapport au table de jeu. Ok, ok. Du coup, le faire qu'une fois, c'est bon. Genre, sa casquette de pro, yes. Ça vaut pas le coup de continuer, là. On est d'accord que là, ça vaut pas le coup de continuer. Mais si j'arrête, ça m'arrête. Enfin, je veux dire, ça nique ma journée. Je suis vraiment le pire. Non, attends, ça vaut pas le coup de continuer. Non, ça vaut pas le coup. Ok, d'accord, donc je m'arrête. Let's go faire le full home run. Non mais Storm, j'y arriverai. Le full home run, ça va se faire. Il y a un trophée pour ça. Tu vois l'intérêt du gars dans ce qu'il fait, quoi. Non mais on va s'arrêter. Ça suffit pour l'instant, j'espère. Mais ça va niquer. Bon, tant pis. Oh mais ça m'a moins augmenté. Ah mais non, mais vous m'avez baisé, j'aurais dû continuer. Ça m'a moins augmenté ma maîtrise. Bah sauf si ça me laisse mon après-midi, hein. En fait, vous m'avez baisé. Ah, vous m'avez complètement baisé, j'aurais dû continuer. Oh, ça m'aurait... Oh, mais non, mais attends. Ah, là, allez. Là, c'est de votre faute, hein. Ah, mais non, mais... Ça te laisse pas l'après-midi. Oui, mais... J'ai perdu du charme. Enfin, j'aurais dû gagner... Enfin, de la maîtrise. Ah, mais non, mais vous m'avez niqué. Bon, par contre, cette fois, je fais pas le fou parce que sinon, je vais encore perdre. Faut pas que je fasse le fifou quand j'ai un home run. Sinon, moi, je lâche la manette et c'est fini. Oh putain, et ça y est, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon style. Le mec vénère. Attendez. Putain, j'y arrive plus. Tu vas surtout perdre tes sous. Ouais, mais bon. Putain, ça y est, j'y arrive plus. Oh là 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 là, j'y arrive plus. Oh, c'est de votre faute. Oh putain, j'y arrive plus. Oh, c'est fini, j'ai perdu mon mojo. J'ai perdu mon mojo. Ok, bon bah on va annuler. On va tout annuler, ok, la maîtrise, on s'en fout de la maîtrise, très bien. Ok, on annule tout. En fait, c'est nul à chier, mais fallait me le dire plus tôt, du coup. On aura gagné du temps. Oh là là, mais vous me titillez. Et ça fait quoi, le café? C'est sympa, là-bas, au moins, il fait bon vivre, au café. C'est un bon café, il fait... Attends, c'est quoi, déjà? T'as eu le trophée, d'accord, ok. Mais il n'y en a pas d'autres? Tu me dis, va au café de Shibuya. Genre, ça, c'est rentable, ça, le café de Shibuya. Le café. On parle de café. Il n'y a pas de café. Ah, je l'ai peut-être pas des... Attendez, on va aller se promener, on va chercher le café. Une zone non découverte. Je le vois pas sur la map, en tout cas. Après, on n'a pas encore été au machin center, là, comment ça s'appelle? Il est où? Le Game Center. J'y ai jamais été. Je crois que ça faisait un truc, hein. Faut désormais utiliser... Ok. Oh! Oh, regardez, ils ont des masques anti-coronavirus. Oh, je suis le pire. Bah, on pourrait faire. C'est quoi, ça? Jeu d'arcade. Elle est bien faite. Ok. On peut rien faire. Mais c'est de la merde! Ah! Ah, attendez, par contre, là, on peut peut-être acheter des trucs à PC. Ouais, contient 5. Ok. ...20 PV à un allié. Allez, banco. Ah, attendez, il en restait un. La vide. Hein. Je suis le seul qui mérite d'en avoir. Bon, bah. Mais tu me parles d'un café, il est où, le café? Que je vois si ça vaille le coup.
Ou au pire, je vais m'entraîner. Ou je vais au cinéma pour augmenter mon courage. Protein lover là. Les couverts. Ah! Oui. C'est pas bête. Ici. Le nouveau garçon Bikuri ouvre bientôt. Oh bah y a pas de café là. En mai. Bon, je sais même pas en quel mois on est là. Genre en avril, mars. On est en mars, non? Bon bah on va... Ah ouais, on va vraiment passer une journée de merde. Bon bah on va augmenter notre courage avec le cinéma pour vraiment être sûr de pécho le plus vite possible la doctresse. Ah mon pognon qui déglingole. En espérant que ça me suffise d'augmenter le courage. Du coup on va revoir un film qu'on a déjà vu là, sympa le héros hein. Vraiment la vie de ouf. Ils vont le dire qu'ils l'ont déjà vu le film ou pas? Est-ce qu'ils font une remarque? Il y a marqué en gros 4-26 et tu sais pas le mois. Effectivement. Effectivement, j'avais pas vu que c'était écrit le mois. On est en avril donc, c'est bientôt en vrai. Eh ben il a du courage ce petit. Courage de ce garçon et son attitude envers la vie sont touchants. Allez s'il te plaît. Courage rang 2. Toujours pas. Sacré laser. Bah du coup on est bientôt en mai, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a donc là? Oh! Désolé de m'éterniser ainsi, je viens de parachever une critique pour le travail et je profite de mon moment de repos. L'ambiance de mon café préféré à l'heure de la fermeture, ok blabla. Si la télé reste allumée, ok il a déjà dit la même chose. Lis le livre du coup là. Ouais. Attends juste voir, est-ce que ça augmente mon social link ou pas? Normalement non. Voilà, la classe. Mais avant de lire, je veux juste voir le DVD ce que c'était, parce que s'il était courage, je préfère le finir. Parce qu'en vrai comme ça on pourra prendre un autre DVD. Je sais plus ce qu'il... Je crois qu'il augmentait la maîtrise. Mais en vrai je préfère le finir, comme ça il m'apprend sûrement des trucs... On va le finir, parce qu'avec un peu de chance, il y aura du monde dans le métro et ça augmentera notre courage. On va faire ça, je veux finir le DVD. Oh, il a l'air intense le DVD. Hein. Cool, ça. C'est l'histoire d'un homme qui n'abandonne jamais et parvient à ses fins grâce à son ingénierie. Oh, on l'avait. Oh, on connaît, on connaît. C'est profond. Yosh. Yosh. Sateto. On regarde un mec qui joue à un jeu qui regarde un film. C'est vrai, putain.